Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo revue make-up. Ce sont des produits que j'ai récemment reçus via mon free store Octoly. Je suis folle de joie parce que j'ai appris par ce biais-là, par Octoly, que le 23 août, la marque Anastasia Beverly Hills débarque dans nos magasins Sephora. Donc je ne pense pas qu'ils seront dans toutes les boutiques physiques, mais en tout cas, ils seront disponibles sur le e-shop de chez Sephora. Et la marque Anastasia, c'est une marque dans laquelle je fais absolument confiance, notamment pour le maquillage des sourcils, parce que j'ai déjà des produits de cette marque. J'ai notamment la Brow Powder Duo, qui est une poudre qui contient deux fards qui correspondent un petit peu à des fards brun kaki pour maquiller mes sourcils avec un pinceau biseauté. C'est une matière poudre. Et c'est une teinte qui me convient parfaitement, c'est une teinte froide, c'est la teinte Ash Brown. Et souvent, il faut maquiller ses sourcils avec une teinte un tout petit peu plus claire que ses sourcils. J'ai également un crayon pour maquiller mes sourcils, le Brow Wiz, qui est un crayon avec un embout à mine grasse. Et vous avez de l'autre côté un goupillon pour venir brosser les sourcils. J'adore ce produit, le Brow Wiz. C'est la teinte Chocolate, donc je peux reprocher à cette teinte d'avoir des sous-tons un peu trop rouges. Et ça rend mes sourcils un peu plus chauds. Et c'est vrai que ça va bien avec mes cheveux, parce que moi j'ai des reflets qui sont un petit peu comme si j'avais fait du henné parfois. Ça se marie bien, mais moi je préfère avoir des teintes un peu plus froides pour mes sourcils. Là j'ai maquillé mes sourcils avec le produit que j'ai reçu gratuitement. Les deux produits précédents je les avais achetés sur le site Cult Beauty, qui est un site dont je vous ai parlé de nombreuses fois. C'est un e-shop qui revend beaucoup de produits qu'on trouve en Angleterre, des produits qu'on trouve pas sur Sephora.fr, des produits qu'on trouve pas beaucoup en France. Et les frais de livraison sont vraiment pas onéreux. J'ai reçu la pommade à sourcils de chez Anastasia, et celle-ci je l'ai reçue en teinte medium brown. Je vous dirai par la suite ce que j'en pense, mais comme vous voyez, ça correspond plutôt bien avec mes cheveux et ma teinte de sourcils initiale. Comme vous voyez, c'est quelque chose qui est brun, mais pas avec des sous-tons rouges. Il n'y a pas de sous-tons orange, c'est pas un brun chaud, c'est un brun très froid. J'ai été livrée avec un petit pinceau biseauté avec un embout goupillon, donc ça c'est très pratique. C'est pas le pinceau biseauté sourcil du siècle, mais je suis très contente que c'était livré avec. Moi je trouve ça très pratique. J'ai utilisé ensuite le Clear Brow Gel que j'ai reçu gratuitement, qui est un gel transparent avec une brosse comme une brosse de mascara pour venir fixer votre maquillage des sourcils. Le deuxième produit que j'ai utilisé dans cette vidéo et que j'ai reçu gratuitement, c'est le contour kit Light to Medium pour les carnations claires à moyenne. C'est un contour kit qui se présente comme ceci. Vous avez 6 fards qui vont vous permettre de définir un petit peu mieux tous les reliefs de votre visage. Vous avez un fard couleur chair, une poudre jaune, un highlighter et 3 poudres bronzante et contouring. Je vous expliquerai tout ça par la suite. Donc si ces produits vous intéressent, si vous voulez les voir en démonstration, n'hésitez pas à regarder la suite de la vidéo. Sachant que pour cette palette, je vous ai fait un article sur mon blog cette semaine où je vous ai fait des swatchs de cette palette. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller jeter un œil sur l'article du blog. Le lien sera en barre d'infos. On va commencer. Je pense que je vais démarrer avec le kit sourcils que j'ai pu recevoir. Donc bien sûr, j'ai déjà fait mon teint et j'ai déjà fait mes yeux. Comment ça, tu n'es pas née avec du mascara sur les yeux, Justine? Mais non. Pour mon maquillage du teint, j'ai utilisé la base Laura Mercier, qui est une base qui se trouvait dans la box Birchbox Day to Remember. Je vous en ai parlé, si vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'ai acheté cette box. C'est ma copine qui se marie bientôt qui m'a fait part que cette box existait, et je lui en suis reconnaissante parce que pour une trentaine d'euros, la box était vraiment très avantageuse. Il y a des super produits dedans, dont cette base qui est la Foundation Primer Hydrating. Donc c'est une base hydratante. Elle me photoshop bien les pores en termes de lissage. Je mets mon fond de teint chouchou du moment, le encre de peau de chez Yves Saint Laurent, par-dessus. Après, j'ai poudré avec ma poudre universelle de chez Chanel. Qu'est-ce que j'ai fait ensuite? Je me suis maquiller les yeux avec la palette Naked 3 parce que j'avais envie d'un peu de rosé. Je me suis appliqué du fard à joues, j'ai utilisé cette petite palette qui regroupe plusieurs Love Flush de chez Too Faced, et moi j'ai utilisé le Love Hangover et le Baby Love. J'ai mélangé les deux. J'aime bien le résultat que ça donne. En anti-cerne, j'ai mis le correcteur de chez Estée Lauder, le Double Wear Stay in Place Flawless Wear Concealer. Je vous en ai fait une revue sur mon blog, je remettrai le lien en barre d'infos. Je vais commencer avec le maquillage des sourcils, et je vais utiliser le Deep Brow Pomade, la pommade à sourcils, que moi j'ai en teinte Medium Brown, qui est censée être la teinte qui s'adapterait le mieux
à mes sourcils selon ma couleur de cheveux. Ça me fait un peu peur parce que j'ai ce produit dont je vous parlais au début de vidéo en teinte Ash Brown et c'est la teinte qui me correspond tout à fait. J'ai aussi la teinte Chocolate qui est une teinte un peu plus chaude avec des sous-tons plus rouges, mais ça me va quand même. Et là c'est encore une nouvelle teinte, donc j'ignore si ça va me correspondre. Je vais ouvrir le pot et comme vous voyez, je pense que c'est un peu la teinte qui doit se situer entre le Ash Brown et le Chocolate. Donc c'est super parce qu'il n'y a pas apparemment de sous-ton rouge. Et moi c'est ce qui me faisait peur dans ce gel à sourcils. Et je vais utiliser ce pinceau qui a un embout avec un goupillon et un biseau. On va prélever tout de suite un peu de matière. Alors hop, quand on met le truc dedans, ça plongerait vite au fond du pot. La matière est assez molle. Et je vais commencer à dessiner des poils de sourcils. Alors j'avais déjà un produit sous forme de gel de la marque Too Faced, le Bulletproof Brows, dont j'étais hyper satisfaite. Mes premières impressions, c'est que c'est pas la même texture gel. Là, c'est une texture vraiment plus grasse et qui marque beaucoup plus. Le Bulletproof Brows de chez Too Faced, quand on l'appliquait, la texture crème se transformait un peu tout de suite en matière un peu plus sèche, un peu plus poudreuse, que là, je trouve que ça reste assez gras. Peut-être pas que j'en mette trop. Je trouve que la matière est beaucoup plus pigmentée, c'est-à-dire que ça marque vraiment la peau et les sourcils tout de suite. Le goupillon va s'avérer nécessaire. J'ai même pas lu s'il y avait une notice. Est-ce qu'il disait quelque chose sur le petit emballage ? Couleur waterproof pour les sourcils, pour sculpter, définir et tailler des sourcils. Parfaitement précis, qui ne se décoloreront pas. Formule crémeuse, sans bavure, qui glisse sur la peau et adhère aux cheveux. Un must pour les peaux grasses et les climats humides. Serrez le couvercle pour éviter le dessèchement. Alors c'est une pommade à sourcils, mais il parle de cheveux, c'est marrant. Il considère que les poils des sourcils sont des cheveux. Je pense qu'il y a un problème de traduction dans ce petit emballage. Et je vais m'empresser de brosser mes sourcils au goupillon. Je ne sais pas si vous voyez la différence, je pense que la différence parle d'elle-même. Même sourcils faits, sourcils non faits. Mais là, vous voyez que c'est pas du tout naturel parce qu'on voit que mes sourcils sont blindés de produits. Donc je vais venir brosser ça tout de suite en tirant la matière vers le haut. Et j'espère que ça ne va pas faire de miettes. Surtout quand on vient brosser le sourcil, il ne faut pas faire des grands gestes parce qu'il ne faut pas que la matière soit rendue au milieu du front ensuite. Donc il faut venir brosser tout en douceur. Je peux déjà vous dire que le goupillon est pas confortable du tout, c'est un truc qui gratte bien. Je vais faire comme j'ai l'habitude de le faire en général, je vais prendre un coton-tige et le peu qui a pu sortir, le peu de produit qui a pu sortir des sourcils, je vais venir l'essuyer pour que le contour soit vraiment nickel. Donc je vais pas vous mentir, hein, je suis pas maquilleuse professionnelle, d'habitude c'est comme ça que je fonctionne. C'est sûrement pas comme ça que les maquilleurs fonctionneraient, mais quoique j'en sais rien. Je trouve ça plutôt malin de faire comme ça. Déjà, première impression, j'adore. Clairement, ça fait un sourcil, mais super naturel. On confond vraiment avec mes poils. Je vais venir les rebrosser quand même. J'aime bien que les sourcils soient pas, que ça fasse pas des amas de sourcils. En tout cas, le produit vient bien marquer la peau. Du coup, j'ai vraiment la peau qui est dessous le sourcil très teintée. La couleur, en tout cas, est parfaite pour moi. Il fait une chaleur vraiment dingue. Donc, je vais m'empresser de faire le deuxième sourcil. On prend pas mal de matière, alors je sais pas si c'est moi qui ai beaucoup consommé là, mais vous voyez que j'ai déjà bien martyrisé la crème. Et je vais faire mon deuxième sourcil. Et ce que je vois aussi, c'est que là je passe au deuxième sourcil, la matière sur le pinceau aurait presque séché. Donc en général, à mon avis, il faut se manier autant de faire le deuxième sourcil que de brosser la matière, parce que à mon avis, la matière, elle vient vite fixer vos poils de sourcils. Là par exemple, j'ai mis pas mal de produits sur mon pinceau et du coup tout est venu se fixer sur une touffe de poils de sourcil. Je vais galérer ensuite à brosser ça. Je recule le miroir pour faire quelque chose d'assez symétrique. Parfois on a plus de visibilité en se reculant un petit peu du miroir. Il fait une chaleur les gars, je vous raconte pas comme c'est désagréable de faire une vidéo. Petite astuce supplémentaire, c'est que je vous recommande d'essuyer fréquemment la brosse de votre goupillon pour pas avoir des amas de poudre ou de crème qui se mettent sous le goupillon et qui viendraient ensuite faire dégueulasse sur votre peau ou sur vos sourcils. Faut que je me maille les fesses à brosser mon sourcil avant que ça sèche. Le goupillon est toujours aussi désagréable au deuxième sourcil. Hein. Et surtout là, je me suis un petit peu ratée niveau naturel parce que j'ai pas mal de produits qui s'est mis là.
Il y a un résultat que j'observe sur mon deuxième sourcil que j'observe pas forcément sur le premier, donc je pense qu'il y a la quantité que j'ai mise qui doit y jouer, c'est-à-dire que là, ou alors j'ai moins de poils de sourcil pour venir camoufler le maquillage, c'est que là on voit un peu plus le produit que j'ai mis dessous. Et c'est tellement imprimé sur la peau que c'est plus du produit qui se brosse au goupillon, c'est le produit qui est censé se laisser pour que mes sourcils soient maquillés. Sinon, que dire, je trouve le résultat très naturel, c'est-à-dire que là je pense que je suis à une distance raisonnable de vous, mais je pense que le résultat est très naturel, on pourrait croire que mes sourcils ne sont pas maquillés. Je vous signale aussi que le truc est très pigmenté, donc faut y aller doucement en quantité assez légère. Et du coup, faut quand même bien manier le maquillage des sourcils, dans le sens où là, vous voyez, j'avais oublié un tout petit coin. Et du coup, c'est là qu'on se rend compte que c'est du maquillage. Si c'est pas fait de façon nickel un petit peu, si les trous ne sont pas tous bouchés, eh bien c'est là qu'on voit qu'il y a du maquillage quelque part. Comme c'est une crème qui sèche très vite, je pense que le gel à sourcils derrière n'est pas vraiment efficace. Je pense que à la limite ça doit être davantage utile pour faire briller vos poils de sourcils. Je le sors de son emballage, je m'en suis pas servi du tout. C'est un emballage tout ce qui est plus classique comme un mascara. Et oula, vous avez une brosse qui est assez grosse, j'imaginais une petite brosse. Un peu comme le gel à sourcils que j'ai de chez L'Oréal. Observez quand même la chose de près sur mes deux sourcils. Je trouve que côté naturel, on peut pas vraiment demander beaucoup plus, quoi, pour du... Ça reste du maquillage, donc c'est jamais totalement invisible, mais là quand même, je trouve que le résultat est archi naturel. En tout cas, si je dois donner un avis et un classement des différents produits Anastasia Sourcils que je possède, je pense que celui-là peut venir en première position, voire à égalité avec celui-ci qui est la Brow Powder. Bien que la texture crème n'est pas hyper facile à manier, celui-ci, je trouve que le résultat est vraiment dingue côté naturel. Et surtout, Medium Brown, je pense que c'est peut-être la teinte chez Anastasia en matière de produits sourcils qui me correspond le mieux avec ma couleur de cheveux. Et le gel sourcil, je le trouve cool. Je trouve que ça a encore rendu plus naturel le maquillage des sourcils que j'avais mis juste avant. Et ça fait des sourcils brillants mais pas non plus très laqués. On va ensuite terminer mon maquillage du teint. Comme je vous avais dit, j'ai juste mis du fond de teint et du blush. Et j'ai un peu poudré, quoique je brille déjà parce qu'il fait une chaleur atroce. Et je vais utiliser ce contour kit Light to Medium, donc pour les peaux un petit peu claires comme les miennes, mais pas trop claires non plus. Et je vais vous présenter tout de suite cette palette. Je vais pas vous en faire des swatchs comme je vous ai dit en début de vidéo. J'ai fait un article sur mon blog où je vais vous montrer les swatchs. Là, je vais vous la montrer à l'utilisation. On a un fard beige ici qui sera parfait justement pour finir mon maquillage des sourcils, puisque c'est tout à fait le type de fard un petit peu coquille d'œuf, un peu couleur chair, que j'utilise sur toute la paupière quand je veux seulement unifier ma paupière. Ensuite, vous avez la teinte banana, qui est une teinte jaune, et je trouve les teintes jaunes parfaites pour venir fixer l'anticerne sans plomber la luminosité de l'anticerne. Donc j'aime beaucoup utiliser cette teinte jaune pour mes cernes. Ensuite, vous avez la teinte sand, qui est un enlumineur un peu couleur champagne. C'est un enlumineur assez froid, donc moi j'apprécie. C'est un enlumineur plutôt, je dirais, rosé, c'est-à-dire qu'il n'a pas de sous-ton jaune. Et ensuite, vous avez trois bronzers au sens large, parce que moi j'estime que ces deux teintes-là, ce sont des bronzers et que ça, c'est un fard de contouring. Le fard de contouring et le bronzer, c'est quand même deux choses différentes. Le bronzer, ça va être fait pour vous apporter un hâle, donc c'est une poudre de soleil, alors que le contouring, c'est une teinte qui est censée être plus foncée que votre carnation, mais une teinte très froide qui va venir marquer les zones d'ombre de votre visage, donc on va appliquer dans les creux. Ce fard là, je trouve très bien justement pour sculpter un peu le creux de mes joues ou pour sculpter mon nez quand je souhaite un petit peu marquer mon nez. Les bronzers, j'en suis pas extrêmement fan, je les trouve assez orangés, je les trouve un peu trop chauds, je sais pas si ça se verra. J'ai tendance à utiliser plus celui-ci parce que celui-là est un peu foncé pour moi, enfin je pense que ça se voit, je suis pas encore assez bronzée pour utiliser ça. Donc celui-ci, je viens l'appliquer encore une fois en poudre de soleil, donc là on peut l'appliquer sur les zones bombées du visage, là où le soleil va taper, pour apporter un hâle, et j'utilise pour cela un pinceau duo fibre parce que j'y vais vraiment avec parcimonie. Je précise que cette palette n'a pas de miroir, je trouve que ça peut un peu manquer, c'est un emballage pour autant assez solide.
Et en tout cas, il sera assez léger pour vous le trimballer en week-end si vous voulez. Mais moi, personnellement, c'est pas le genre de palette que je trimballe pour un court séjour. Je vais donc utiliser ce fard-là et je vais l'appliquer sur l'arcade sourcilière. Je vais prendre pour ça un pinceau 217. En tout cas, je trouve que ces fards, ils sont d'une texture vraiment très sympa. C'est-à-dire que la poudre est très fine. Là, par exemple, j'ai éclairci l'arcade, donc j'ai mis un peu de matière sous le sourcil et c'est très discret. Ensuite, je vais utiliser la poudre un petit peu jaune, toujours avec mon pinceau 217, et je vais venir la poser sous l'œil. Et je vais également la descendre un tout petit peu ici. Ensuite, je choisis de faire le contouring avant d'apporter un hâle à mon teint. Donc je vais prendre ce fard là et je vais prendre le Taperod Highlighter F35 de chez Sigma. J'en prends pas énormément et je fais le poisson pour vous montrer un petit peu où j'applique la matière. Oh, il perd des poils mon truc. Et je vais prendre un autre pinceau 217. Je vais prendre un tout petit peu de ce même fard et je vais venir en appliquer là. Ensuite, je vais prendre ce pinceau du Ophib de Make Up For Ever et je vais enfin prendre ce fard bronzer ici. Et je vais vraiment en prendre en toute petite quantité. Et c'est le fard qui va me permettre d'apporter du soleil sur les parties bombées de mon visage, donc ici. Je sais pas si vous verrez la différence ici où j'en ai appliqué et là, mais je pense que ça se voit. Là, je suis allée au soleil et là, pas trop. Hop, ici c'est bombé, donc on en met. Le dessus du nez, c'est aussi un endroit où on prend le soleil. Je vais venir importer un peu de lumière à ce maquillage et je vais utiliser ce fard, cet enlumineur-ci, avec un pinceau Sigma, le E35. Et je vais venir appliquer ça sur le haut des joues. Clairement là, avec la chaleur qu'il fait, j'ai pas besoin d'highlighter parce que je brille naturellement. Mais là, je voulais quand même que vous voyez le rendu de cet highlighter. Et je vais en appliquer ici sur l'arc de Cupidon. Je vais appliquer un produit de chez Laura Mercier qui était également dans la Birchbox A Day to Remember. C'est le Pink Pop. C'est dans leur gamme lèvres glacées. Vu la taille, je pense que c'est un échantillon, mais je trouve que c'est un échantillon assez généreux. Et j'aime beaucoup l'effet lissant de ce produit parce que c'est fait pour les mariés, donc c'est fait pour flatter leurs lèvres et qu'elles n'aient aucune petite peau qui dépasse. Et c'est l'effet que ça donne. Ça fait un peu huile à lèvres, je trouve. Eux, ils appellent ça l'effet lèvres glacées. Et en plus, ça a un petit goût sucré qui est plutôt sympa. Je vais utiliser ce pinceau poudre là, qui est un pinceau contour brush, que j'aurais pu utiliser pour le contour. Et je vais venir repoudrer un petit peu mes joues avec ma poudre universelle de chez Chanel. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, j'ai un petit peu plus forcé, mais vraiment pas beaucoup pour que vous le voyez en caméra, parce que mon appareil a tendance parfois à atténuer les couleurs. Mais je trouve quand même que ça reste très naturel, c'est-à-dire que ça fait bonne mine, mais ça fait genre je reviens de vacances et j'ai chopé un bon bronzage. Tant que la chose est raccord, si vous voulez, à ce niveau-là, avec le cou, c'est très bien. Si vous regardez la teinte de mes bras, qui sont un petit peu caramel du fait que voilà, j'avais pris un hâle en vacances, eh bien on dirait pas qu'on a posé la tête de quelqu'un d'autre sur mon corps, donc c'est ce qu'il faut. Si vous avez quelque chose sans manche, il faut pas qu'on croie qu'on a posé la tête de quelqu'un d'autre sur le corps d'une autre. Voilà, moi je suis vraiment hyper hyper satisfaite de ces produits Anastasia. Je sais pas si je dois vous le dire, mais moi si je venais à me marier ou si je venais à avoir un gros gros événement, c'est vraiment en la marque Anastasia que je voudrais faire confiance pour mon maquillage des sourcils. Ce produit est peut-être encore mieux, du moins il est plus difficile à manier. Il faut vraiment prendre du temps pour appliquer ce truc-là. La palette, pour moi, c'est une super palette. Les fards sont bien pigmentés, ils sont fins.
C'est des teintes qui sont naturelles, c'est-à-dire que là, je ressors pas orange de ce maquillage. Je pense que elle peut plaire à beaucoup de monde et convenir à nombreuses carnations du fait que vous avez un fard qui est encore plus foncé ici. Comme j'avais déjà utilisé cette palette les jours précédents cette vidéo, je peux vous dire que le fard jaune aussi, il vient pas au fil des heures marquer les cernes. Je suis vraiment folle de joie de ces produits, je vous le dirai si je les aimais pas. C'est pas parce que je les ai reçus gratuitement que je vous dis que je les aime bien, c'est vraiment parce que je les trouve géniaux. Cette vidéo est terminée, n'hésitez pas à me dire en commentaire sous l'article du blog si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si cette vidéo vous a plu et si vous voulez être tenu au courant des prochaines à venir. Je vous rejoins dans la zone de commentaires afin que vous me disiez si vous avez aimé les produits sourcils Anastasia, si vous les avez déjà testés, est-ce que vous êtes contente qu'ils arrivent le 23 août chez Sephora? Et est-ce que vous êtes intéressé par la palette de contouring? Est-ce que le contouring vous le faites tous les jours? Vous le faites pour les occasions? Je pense que la majorité des personnes sont comme moi, c'est-à-dire le contouring, vous faites ça pour les grandes occasions. Mais bon, parfois on aime bien se faire plaisir et se pomponner un peu et avoir un teint bien défini. Et cette palette, à mon avis, elle sera votre meilleur allié pour un teint bien défini. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!